Et salut tout le monde, c'est Kanou, on se retrouve sur World of Warcraft avec aujourd'hui notre moine panda pour notre objectif de monter toutes les classes level 70 au grand max, hein, parce que bon, on sait jamais si l'extension sort, ça sera sûrement jusque 80. Alors, je dois faire en sorte qu'il y a 12 soigneurs. Comme vous le voyez au-dessus, je suis à 12 sur 12 en soigneurs, mais je ne sais pas, ça veut pas se lancer. Ça veut pas. Alors que pour le moment, je protège tout le monde. Et je passe mon level. Ça fait 15 minutes vraiment que je suis là-dessus. Et heureux tout le monde, on se retrouve avec le panda. Ça y est, j'ai débugué la quête. Il fallait bien quitter et relancer. Et aujourd'hui, on va choisir si on va côté Horde ou Alliance. Et je vais partir Horde, les amis. Comme d'habitude, désolé, je passe les cinématiques parce que des fois, ça embête un petit peu YouTube de laisser les cinématiques. Donc je les passe. Bienvenue. Et du coup... Oh, on va aller parler à Garrosh. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, j'apprécie grandement Garrosh. Oh. Je l'avais pas enlevé, ça. Oh, on a le pèlerinage zen. Ça va être bien. On va pouvoir aussi aller un petit peu se transmo. Du coup, on va voir Garrosh. Et derrière, je vais un petit peu aller me transmo hors vidéo. Je vais prendre un vieux truc. Je peux pas prendre un truc vite, vraiment tout claqué. Hop, on va prendre ça. Voilà, tout claqué, tout clacosse. On va prendre le dragon d'eau. Et re tout le monde, ça y est, j'ai été changer mon accoutrement et ma monture. Alors vous voyez, je suis parti pour l'exploration, j'ai un gros sac à dos. Et du coup, on va quitter dans la zone d'Ashara. Pour ce personnage, on va essayer de rester un petit peu dans le secteur, pas trop loin. Alors j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde derrière moi. Donc on risque d'être embêté assez rapidement. Mais bon, ça reste pas non plus trop important. Ici, il faut qu'on ramasse de la viande. On va devoir choper un déchiqueteur aussi. Et tuer des elfes. Comme celui-là. Des éclaireurs. Qui nous ont attaqués. Du coup, je me tâte quand même peut-être à faire tout de suite le déchiqueteur. Au moins, ça c'est fait, on l'a. Alors, je suis venu ici parce que de souvenir, je me rappelle que ça peut aller très très vite. Si on s'y prend bien, bien sûr. Là, je pourrais pas trop dire la même chose vu qu'il y a l'air d'avoir d'autres personnes. Mais normalement, ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, on est parti pour rester sur Ashara assez longtemps. Alors là, on doit couper des arbres pour tuer des snipers. Je me rappelle que cette quête-là est relativement chiante. Vu que les snipers sont assez solides. Alors, peut-être qu'ils ont changé. Non, ils n'ont pas changé. Du coup, ça va être... Ça va être bien relou. Surtout qu'en plus, ils viennent dans votre dos et là, vous pouvez plus rien faire. Et les sorts sont très très longs à récupérer. Voilà. 3 sur 9. Heureusement, il n'y a que 3 arbres à découper. Ah, punaise, il y a lui aussi qui s'est mis dans mes pattes. Et il y a aussi les éclaireurs qui peuvent venir nous embêter. Forcément. Sinon, c'est pas drôle. Ah, tu cours. Pas de soucis. Hop là. Il va tomber. Timber. Hop là, on lui a déjà enlevé un quart de sa vie. Voilà, on essaye de faire pas mal de dégâts, mais c'est très très long. Hop là, là on en a coupé un. Aïe aïe aïe, on perd un peu de vie. Ok, j'avais oublié de... Aggro. Et hop là.
On va les couper, je crois que... Ah ok, c'est les arbres là. Du coup, on va les couper ce dernier. Bon, lui, on va attendre d'aller couper l'arbre avant de le taper. Hein. Il fait quand même pas mal de petits dégâts. Hein. Lâche-moi, je t'ai rien fait. Bon, après ça va, hein. J'ai l'impression qu'ils ont quand même augmenté le nombre de points de vie des mechas. Ah mais si, on est quand même parti mid-life, hein. Mine de rien. Voilà, on a fini avec celle-là. Merci. Ah lui, il a l'air de plus trop nous attaquer pour le moment. Du coup, on va continuer notre petite exploration. Si on arrive assez vite, il y a moyen de faire un carton. Oups. Ça va, on a fait des dégâts. Ça aurait pu être pire. Oh punaise, ok. J'ai rien dit. Il y a beaucoup de monde sur notre gueule. Et les sorts sont très très longs à revenir. Ah, ouais, c'est bon, on a réussi à l'avoir. C'est bon, tout se passe bien, tout se passe bien. Alors, ça tire ou pas? Ça touche pas? On prend très très cher, mais normalement... Si on arrive à finir cette phase-là, on va avoir le sort pour ce heal. Nickel. Là, on s'écarte assez vite. Paf! On reprend la vie. On passe un level. On va essayer d'éviter les autres elfes. De toute façon, on va prendre les trois là. Hein. Après, c'est le point. Ils sont très importants. C'est des très bons sorts. Et du coup, level 17. En vrai, je dirais pas non pour quitter cette petite partie en étant level 20. J'aimerais bien. Ça ferait notre deuxième perso level 20. Ça marche là? Tac. Non? Je peux pas taper? C'est quoi cette arnaque? J'ai encore le droit à un bug? C'est quoi ça? Je suis un peu dégoûté là pour le moment, je vais pas vous mentir. Alors, il est où lui? Je le tape mais il veut pas. Allez toi, je t'affronte. Bah ouais, mais j'aimerais bien, mais j'en ai... Justement, j'en ai... Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette masse? Je sais pas trop ce qui se passe. C'est nouveau, on est il peut plus se défendre. J'ai l'impression que c'est nouveau, il peut plus se défendre. Ou je l'ai fait bugger, je sais pas. Alors, oh, c'est très très bizarre ce qui est en train de se passer là. Hop là, dans le petit cul. Ok. Alors le... Je vais pas vous mentir que le combat est devenu... Oh, le combat est devenu extrêmement nul. Ou c'est moi? Du coup, je peux abandonner ça. Et croyez-le, j'en ai marre. Les cerfs qui essayent de fuir, mais ça sert à rien. Je pense essayer de partir après sur ma deuxième roulade. Il me la faut.
Parce que là, niveau mobilité, on est très très mou. Ici, il faut longer, parce que voilà, il y a beaucoup de mecs cachés. On peut essayer de les ramasser. Je pense qu'on peut avoir l'objet d'une carte. Si je me trompe pas, on peut avoir une quête qui est donnée. Du coup, c'est important de ramasser un petit peu, alors que tout à l'heure, je l'ai pas fait du tout. Je crois qu'on peut normalement ramasser quelque chose. Bon, alors on l'a pas. On va attaquer celle-là. On l'a toujours pas, c'est bizarre. Bon, après, il reste des sabots à tuer. On va les buter. Et en même temps, on va essayer encore de tuer des gars invisibles, des éclaireurs. Pour essayer de choper cette quête. Je suis presque sûr que... On peut l'avoir sur ça. Hein. Ça, c'est... C'est une certitude. La question reste, est-ce qu'on peut l'avoir quand on a fini? Bon, il nous reste deux côtelettes. Non, non, tu t'échappes pas. Bah du coup, je crois qu'on ne le saura jamais. Hein. Hélas, pour moi. Je vais quand même longer ici. Essayer de trouver un autre éclaireur. Je crois hélas que... On n'aura pas d'autre. Et on prend la monture. Vu que là c'est des trajets un peu plus longs. On a trois quêtes à rendre. Merci beaucoup. Ok, on gagne du 2350 XP. C'est pas énorme, hein, j'ai l'impression. Mais pour le moment, pour cet épisode, on restera ici. C'est pas trop grave. Alors, je fais exprès de passer ici. Voilà, exactement pour ça. Pour qu'il y en ait un qui m'aggro. Et voilà, on a eu la quête. Génial. C'est quand même 1750, c'est pas rien. Et il semblait bien que c'était sur ces petits messieurs qu'on les chopait. Ah, du coup, il faut aller la rendre derrière. Ça, c'est chiant, par contre. Je vais pas vous mentir. C'est un petit peu chiant. Il a l'air d'avoir d'autres personnes. Hein. Lui, ça fait plusieurs fois que je le vois. On va prendre ces quêtes-là, et ces quêtes-là. Du coup, bah, on va faire les quêtes par là, remonter par là et revenir par là. C'est tellement long. On a pris tellement le pire des bails. On va le garder, je pense. Hein. On va le garder de côté. C'est pas trop grave. Là, on va aller ramasser le fer. Tuer tout le monde. C'est comme ça qu'on fait, monsieur. Attends. En plus, on a que les tuer. Donc, ça va être assez simple, assez tranquille. Le plus dur, c'est le plus chiant, ça va être de trouver les fers. Et ça, c'est kit ou double. On peut en avoir beaucoup, comme pas du tout. Ouais, je crois qu'on en a eu 3 là, oui. On en a eu 3. Donc j'aime bien faire. Hop. Nickel. Voilà, on prend tes dents. On ira les revendre. Allez, plus que 3. Plus que 3, j'en veux 5. Oh, on en a eu qu'un. On en a eu 4 cette fois-ci. Et on n'a pas par là. Ah, là, je l'ai loupé, par contre. Là, c'est un petit peu con. C'est vrai que j'ai ma quête de pèlerinage gène à faire. Hein. Ça aussi, c'est important. Eux, on va le prendre après. Parce que sinon, je suis bloqué à ne pas prendre de monture.
ni pouvoir faire de roulade. Et ça, c'est perte de temps à mort. Et j'ai pas trop envie de perdre du temps. Après, c'est vrai que je la joue rush, même si en vrai... j'ai pas tant besoin que ça de rush. Du coup, il nous reste que des basiliques à tuer, à peu près. Oui, oui. Et hop là, pour une fois que je peux faire ce sort là. Il nous reste 3 basiliques à tuer. Paf. On one shot plus, ça me déçoit. J'adorais quand on one shotait. C'était mon kiff. Du coup, on va faire ça. Hop. Ok, des fois mon raccourci ne fonctionne pas. Des fois mon raccourci ne fonctionne pas, donc il prend pas le bon. Alors là, il faut le faire une fois et une deuxième fois, sinon vous ne l'avez pas dans le dos. Et là, il ne faut absolument plus faire de roulade. Sinon, vous le perdez. Et c'est un peu embêtant. Je sais même pas si on peut se battre. Je pense qu'on peut se battre. Je vais faire mon attaque du chi. Touché mortel. Qu'est-ce que j'aime bien ce sort. Pourquoi il est... Oui, c'est vrai, c'est la quête... le retour des bien-nés. Eux, je crois qu'ils nous attaquent pas. Ils sont en rouge, mais ils nous attaquent pas. C'est plutôt pratique. Ils sont encore là, hein, Dominique et Corinne. Bon, rien de nouveau, hein. Continue nos quêtes, quoi. Hop là, 100 quêtes. Pouah, pouah, pouah. 100 quêtes achevées, niveau 18. Ça, c'est beau. Voilà, on a la deuxième roulade. Ça y est. On va gagner un petit peu en mobilité, c'est pas négligeable. Hop, 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 j'ai eu peur. Hop là. Du coup, oui, bon, au final, je pense pas level 20, mais level 19, ça sera certainement faisable. Après, ça dépend, vraiment, en vrai, ça dépend. Je dis ça, mais... Ah, yeah. Voilà pourquoi c'est important d'avoir de la mobilité. Ah oui, le problème, c'est que c'est ça, ok. Bon, le problème, c'est que je voulais prendre un gros paquet pour tous me les faire. Mais c'est des archers. Du coup, ça sert pas à grand chose. Mais de toute façon, je devais en tuer, voilà. Il me fallait le cristal. Donc, tuer, c'était obligatoire. Non, dommage, j'ai repris sa vie. Ok, moi, je me fais encore tirer dessus, hein, j'ai l'impression. Hop là, on peut reprendre un peu de vie, hein. C'est ça qui est bien aussi, on peut se heal un minimum. Ok, voilà, il faut aller là. Yadatatatata. Du coup, on doit faire ça, ça c'est important. Pour la quête. On doit réveiller les petits bonhommes qui ont été basilifiés, on peut dire ça comme ça. Ça va, ça a l'air un petit peu chiant, mais ils ont l'air d'être tous à peu près dans le même secteur. Alors, je sais pas si on fera toutes les quêtes de Ashara. Mais en tout cas, on va en faire une grosse partie parce que j'en connais énormément. C'était un peu une zone que j'aimais bien aller à l'époque. Hop, on va faire ça. Et comme ça,
Les 1000 points du hacker. Je pense que c'est le nouveau nom qu'on va donner à ce sort. Les 1000 points du hacker. Il nous a vu. Le chi, la destruction. Et en fait, je profite de cette quête pour retourner un petit peu dans le côté où on doit aller rendre l'autre. Tout simplement. Là, normalement, j'en aurais plus. Mais du coup, je vais aller par là, rendre la quête. Et en redescendant, je vais aller reprendre le dernier mineur. C'est toujours du calcul, hein. Il faut toujours calculer. Et ça fera l'affaire, normalement. Pour au moins passer level 19. Je pense qu'on s'arrêtera au level 19, en vrai. Oui, voilà, exactement. On nous renvoie là-bas. Donc on y retourne. Pam, pim, boum. J'adore les musiques ici. Non, tu ne m'intéresses plus. Je ne veux plus te frapper. S'il te plaît. Ok. J'allais dire, c'est bizarre. Il n'y en a plus un seul. Salut. Hop là, on peut reprendre. Choubidou, wawa. J'ai envie quand même de monter level 20, mais on est déjà à 20 minutes. Est-ce que je m'accorde encore 5 petites minutes? Non. Si je le passe pas là, ça va être chaud. Hein. En vrai, ça va être très chaud. Je pense que ça va être très très chaud. Quand même, c'est pas mal d'XP quand même à faire. Hein. Du coup, on va s'arrêter, je pense, pour le level 19. Je vais faire ça, et derrière, je vais faire mon pèlerinage zen. Et j'irai dormir dans une zone où on aura du repos, parce que la barre bleue va être très importante. Du coup, on prend les quêtes là. Et let's go! On part dans le monde de Mist of Pandaria. Alors, à l'époque, ce petit sort nous permettait d'aller faire une quête ici. Et d'avoir, pendant... Si je me trompe pas, une heure, 50% d'XP supplémentaire. Alors je pense que à l'heure actuelle, vu l'XP quand elle est plus facile à avoir, ça va plus être ça. Mais on peut quand même tester, voir ce que ça donne. Du coup, on doit défier un maître, donc c'est pas tout le temps le même. Des fois, vous avez là-bas. Vous avez la maîtresse Kistan. Des fois, on a, je crois, maître Tsang. Et on a lui, maître Cheng. Et on va se préparer à s'incliner. Il va où jusqu'à... Tu vas très très bien. Ça a changé. Je m'incline devant vous, maître Cheng. Hop là. Ouh, il a beaucoup de points de vie, hein. Hop, voilà. Alors, de base, ça, il faut l'esquiver, hein, son rond, mais bon. Là, c'est pas non plus comme si ça faisait énormément de dégâts. Et voilà, on a fini la quête. On va aller le rendre. Et je verrai où on continuera à aller quêter dans le prochain épisode. Là, j'ai encore pas mal d'idées, j'ai encore pas mal de persos à faire. Hop là. Bienvenue. Augmente votre bonus à l'expérience lorsque vous êtes reposé. Suivez le sens du vent, tel le roseau. Vous plierez et ne romprez pas.
Du coup, vous voyez, je peux faire... je crois que je peux encore en faire. Je sais pas trop. Entraînement de maîtresse. Entraînement... Voilà, je peux encore faire deux fois de l'entraînement. C'est... J'ai l'impression que c'est juste insane. Hop là, on prend pas de dégâts. Du coup, on doit bien les défier, les maîtres. Je sais pas si on peut en faire deux d'un coup. Ça pourrait être pas mal, hein. Voilà, on prend les points. Du coup, je souhaite vous défier. Je vais voir si on peut défier les deux en même temps. Ça serait insane, non, je pense. Bien le bonjour. Bienvenue. Allez, on va essayer de faire ça bien. Oh, t'as battu. Hein? Du coup, on l'a pas battu? Ok, t'as battu du coup. Émote, incliné. Et on les affronte. Bon, on en aura fait deux pour le prix d'un, hein. Ah, lui, je pouvais pas endormir son sort, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup, on a une quête comme ça, normalement, tous les jours. Donc là, on va bien voir ce que ça va faire. J'en ai fait plusieurs. Parce qu'en vrai, maintenant, j'ai plus l'impression que ça donne énormément de choses. Non mais je vais pas faire toutes les quêtes. Bon les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.